Alors, Spire, c'est un space opéra en trois actes. Donc, le deuxième vient effectivement de sortir. Et ça raconte vraiment, pour faire ça en une phrase, la naissance et l'histoire d'une compagnie de transport interstellaire. Alors, c'est une compagnie qui est un peu à part par rapport aux autres. Les grandes compagnies de transport desservent essentiellement les planètes centrales, entre guillemets, c'est-à-dire les planètes les plus connectées, et les planètes de la couronne, c'est-à-dire, on va dire, de la banlieue de ce grand réseau de portes interstellaires, on va dire. Et la Spire, elle a pour vocation de desservir les planètes les moins bien desservies, justement. Donc les planètes inhospitalières, loin du réseau de trous de ver, ou avec des conditions climatiques et astronomiques très très hostiles. Voilà. Donc évidemment, pour assurer le transport de marchandises et d'hommes entre ces planètes, bah, il faut des casse-cou. Et donc c'est les capitaines qui vont, au début en fait, qui vont mutualiser leurs ressources et voilà, et mettre en commun et se structurer autour de petits rafios. Hein. C'est vraiment au début, c'est deux trois rafios qui vont desservir des planètes infernales, quoi. Voilà. Et en fait, ça va marcher contre toute attente. Ça va marcher et la compagnie va commencer à grandir et petit à petit à rencontrer les problèmes de nombreuses compagnies, c'est-à-dire la dénaturation de ses buts, etc. Voilà. Ben en fait, tout mon univers est très économique, en fait. Ce que je montre depuis le début, hein, depuis 1988, depuis mon tout premier bouquin, dans cet univers-là, l'univers des Portes de Vanx, je montre un univers qui est globalement ultralibéral. Et donc, tout est tributaire de l'économie. Une planète, il faut qu'elle soit rentable. Une compagnie, il faut qu'elle soit rentable. Les colons, il faut qu'ils soient rentables. Quand des colons s'installent sur une planète, dans mon univers, ils ne sont pas propriétaires du système stellaire et donc de la planète sur laquelle ils s'installent. Le propriétaire, c'est ce que j'appelle les multimondiales, c'est-à-dire les grands groupes écopolitiques qui sont propriétaires de plusieurs systèmes stellaires, qui envoient des colons, lesquels s'installent et qui doivent une redevance à leur multimondiale qui les aide à démarrer, mais après qui devient une sorte dont ils sont les locataires d'une certaine manière. Et donc, c'est ce qui engendre en fait un certain nombre de conflits. Et dans tous les récits, tous mes space opéras, ce sont souvent des histoires d'autonomistes, de primitivistes, c'est-à-dire des gens qui quittent la ville, qui quittent les colonies et qui s'enfoncent dans la forêt, quoi. Qui coupent les ponts justement avec la multimondiale ou avec le reste de l'humanité des fois. Voilà. Donc c'est tout. Mon univers procède de l'économie avant tout. Donc c'était logique que je montre de l'intérieur un maillon essentiel qui est les flux. Et d'autant plus que l'univers tel que je l'ai conçu, c'est un univers en réseau où donc les distances n'existent pas vraiment parce que finalement ce réseau de trous de ver met à égale distance toutes les planètes les unes par rapport aux autres. Donc ce qui va déterminer qu'une planète est centrale ou pas, c'est pas l'éloignement géographique, parce que la géographie n'existe plus dans ce système, c'est un peu comme un réseau informatique, tout ordinateur est à égale distance d'un autre qui est branché sur le réseau finalement, là c'est un peu le même cas. Ce qui détermine qu'une planète est centrale ou pas, c'est le flux d'informations et de n'importe quoi, de données, d'argent, de marchandises, d'hommes, en fait les flux quoi, c'est l'intensité de ce flux. Et donc une planète centrale, elle va échanger énormément. Alors c'est souvent effectivement des planètes qui sont très établies, qui sont colonisées depuis très longtemps, donc ceux de la première expansion par exemple, parce qu'il y a eu deux grandes expansions humaines. Et en revanche, les planètes des confins, elles, c'est souvent des avant-postes de pionniers, ou alors des planètes qui n'ont jamais décollé, et donc qui sont restées, ou alors des planètes qui sont installées avec des colonies de fondamentalistes religieux qui n'ont jamais voulu justement s'intégrer, qui tiennent à leur autarcie, voilà, pour des raisons idéologiques, religieuses ou autres. Oui, c'est un leitmotiv. Et en fait, Spire, c'est un peu l'aboutissement de ça. C'est-à-dire que dans la majorité de mes romans, j'explore une planète
ou deux ou trois, ou quatre max, parce que juste c'est une question de place. En fait, le fait de me concentrer sur une compagnie de transport interstellaire, bah, c'est l'idéal pour explorer des tas de planètes. Donc, comme j'en avais quelques centaines en stock, voilà. Voilà, c'est une manière d'écouler, d'ouvrir grand le robinet justement d'exploration des planètes. Voilà. En fait, toute structure, c'est ça un peu ce qui sous-tend Spire, c'est l'histoire d'une structure d'activité humaine. Et ce que je raconte, c'est comment une structure qui au début est ouverte sur le monde et a pour but de relier. C'est une compagnie de transport interstellaire, donc elle relie les colonies et donc les gens les uns aux autres. Et au bout d'un moment, elle se structure comme une religion et elle finit par ne plus se préoccuper que de sa propre perpétuation. C'est ça l'idée. Et ce qui est rigolo, c'est que bon, bah, dans religion, ça vient de religuer, de relier justement. Et finalement, elle ne relie plus qu'elle-même au bout d'un moment. Ça ne l'intéresse plus que se perpétuer en fait. Et donc c'est une espèce de contradiction dans les termes. C'est une compagnie qui devient semblable à n'importe quelle autre compagnie. C'est un peu ça l'histoire. Et puis ça devient une saga. Je voulais pas justement rester sur l'aéropostale qui est un échec. L'aéropostale a été un échec commercial, ça a fermé. C'est plutôt ça commence comme l'aéropostale et ça continue comme ces grandes sagas des compagnies transatlantiques de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Donc ça, après, c'est atteint de gigantisme et voilà, avec toutes les tares que ça commence à induire, quoi. Voilà. Mais ce qui n'empêche pas parce que elle a aussi cette particularité au début que ça a été créé par des navis, effectivement, des navigants donc. Donc ça a été créé, c'est un peu comme si, je sais pas, une marque d'automobile était créée par des mécanos. C'est vraiment ça. C'est donc des gens qui ont l'amour de leur activité. Et puis au fur et à mesure, on les voit qui se font déposséder de leur pouvoir. C'est ça aussi. C'est un transfert de pouvoir. Ils gardent les compétences, mais le pouvoir se transfère vers des administratifs, des financiers, etc. Et finalement, ça perd de vue l'objectif initial. Voilà. Ouais, moi j'ai toujours aimé ça. Puis j'aime bien les grands espaces. En revanche, ce que je voulais faire, c'était du space opéra qui soit à la fois très classique, on dirait un peu du Poul Anderson, hein, c'est un peu un hommage à des auteurs comme Poul Anderson ou P.J. Hérault, voilà, des auteurs vraiment des gens qui ont les mains dans le cambouis, quoi. Et un réalisme, un réalisme qui lui est moderne. C'est-à-dire, voilà, les navis, ils vivent en impesanteur et ils ont un traitement, ce que j'appelle le traitement Cavine, qui est un traitement contre les ravages de la microgravité, mais ils se décalcifient quand même et au bout d'un moment, ils ne peuvent même plus atterrir. Ils ont des os de verre et ils se casseraient en mille morceaux et voilà quoi. Donc en fait, ce sont des vrais habitants de l'espace. C'est vraiment, pour moi, c'est des sortes de natifs de l'espace. Comme, voilà, et donc c'est. Et c'est ça aussi un peu leur drame. C'est pour ça que pour moi, il y a une dimension tragique dans Spire qui est là. C'est que c'est des gens qui ont pour vocation de relier des planétaires, des gens qui habitent des planètes, mais eux-mêmes ne sont pas des planétaires, en fait. Et ne pourront jamais le devenir. Et quand ils atterrissent, c'est une souffrance pour eux. Ils ne peuvent pas rester longtemps, d'ailleurs, parce qu'ils risquent de mourir. Voilà, ils sont intensément humains et ils sont en même temps plus tout à fait humains. C'est ça qui est intéressant.